Et voilà, j'écoutais une vidéo et je me suis dit, regarder des vidéos, c'est regarder des gens qui partagent du contenu original avec des milliers de personnes à travers le monde. Je me suis demandé comment je pourrais faire pareil, donc j'ai écrit « Comment faire du nouveau contenu ?» J'ai cliqué sur le premier lien. Je suis tombé sur un article plutôt intéressant, mais au final, j'étais pas plus avancé. Je voulais que les gens puissent voir mon contenu sans trop devoir chercher, parce que, ouais. Je suis allé dans mes paramètres YouTube, option avancée, et c'est là que j'ai découvert que YouTube avait changé leurs conditions. J'ai cliqué sur critères généraux. Compter au moins 100 abonnés, j'en étais bien loin avec mes 5 abonnés. Avoir au moins 30 jours d'anxiété, check. Avoir une photo comme icône de chaîne, check. Disposer d'une illustration de chaîne, je me suis dit, quand attendre mes 95 nouveaux abonnés, je pourrais bien faire ça en attendant. Alors je suis parti, j'ai fait un timelapse, mais il n'y avait rien d'intéressant, donc... J'ai placé mon stock de studio, j'ai dû prendre la caméra finalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. J'étais enfin prêt à commencer mes edits, j'avais choisi l'image que je voulais, mais c'est là que mon cauchemar a commencé. Le truc, c'est que YouTube vous donne une dimension minimale pour faire votre bannière, mais si vous l'utilisez, votre image sera beaucoup trop grande, donc j'ai dû faire jusqu'à 6 essais pour trouver la bonne taille, mais j'ai finalement réussi à trouver la bonne dimension. J'ai fait un fichier modèle et j'ai pleuré parce que j'étais encore bien loin des 100 abonnés demandés. Donc, si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi! Drop!